Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo papotage pour la simple et bonne raison que je voulais tester le son avec vous pour avoir vos retours, puisque comme vous le savez, je déménage au Canada. Je prends l'avion le 18 juillet, mais je quitte mon appartement le 30 juin. Voilà. Donc du coup, je n'aurai plus mon ordinateur, il sera parti dans le bateau. Donc je vais travailler sur mon PC portable. Et comme j'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos au micro, je voulais voir avec vous si ça vous convient. Et après, je me dis qu'effectivement, c'est mieux de faire des vidéos avec un son qui est peut-être moins bien que d'habitude, mais qui permettra quand même de faire du partage. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'était aussi pour vous annoncer quelques petites nouvelles, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'ai créé un nouveau site internet qui s'appelle Un soupçon de magie. L'adresse email qui est reliée à ce site internet est la magie de stéphaninani@gmail.com. Pourquoi j'ai refait un site? Simplement parce que le fait de partir au Canada, il y a des choses qui seront différentes de la France et je ne voulais pas tout refaire en dollars sur l'ancien site. Donc je compte laisser l'ancien site L'éveil des sens pour la France et le nouveau site Un soupçon de magie là, sera pour le Canada et la France. Éventuellement aussi, parce que sur l'autre site, vous avez toutes mes initiations qui vont y rester, hein, les initiations, les prestations, et je voulais répondre aussi à ça, ne vous inquiétez pas. Si vous passez sur mon site, par exemple, qui est en dollars, PayPal fait la conversion, donc il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a aucun souci à avoir, la conversion sera faite. C'est juste, on va dire, une question de quelque chose de plus pratique pour moi car j'ai pas trop le temps de tout transférer sur l'autre site. Il y a des choses que je vais arrêter sur l'ancien et sur le nouveau. Il y aura aussi beaucoup de choses concernant la création. Je vais vraiment développer comme je le faisais avant, vous vous rappelez, hein, sur l'éveil des sens. C'est pas d'aujourd'hui que je partage mes créations, mais là je vais vraiment développer une gamme de produits et j'ai pour but de développer ma marque de bougies. Voilà, je verrai ce qu'il est possible de faire au Canada. Et je suis en train de travailler actuellement sur des bougies. Bon, j'ai déjà fait des bougies avec des fleurs et avec des cristaux. J'avais fait à la fleur de lilas et j'avais mis du quartz rose dedans. Mais là, je voudrais vraiment travailler les bougies aux herbes, puisque vous savez que j'ai fait une formation d'herboriste et que j'aimerais vraiment allier ce qui est un peu nature dans mes créations, donc faire des bougies aux huiles essentielles également, faire des mélanges aussi avec les herbes, remettre encore des cristaux, je vais retravailler avec les cristaux, et il y aura plein d'autres nouveautés, comme par exemple, là j'ai mis des créations chakras. Donc des petits ronds chakras que j'ai fait en résine. Vous avez les deux planchettes, la planchette reconnexion et harmonisation qui vous permet de pouvoir méditer, de pouvoir vous reconnecter, de pouvoir vous apaiser, mais qui peut aussi vous servir pour vos cartes. Donc si vous faites de la cartomancie, vous pouvez recharger et réharmoniser vos cartes sur cette planchette, à savoir que ça va permettre une connexion et une ouverture au niveau de, je perds mes mots, comment on dit? Au niveau de la vision, voilà. Il y a un petit rituel à faire avec qui va vous permettre une belle connexion et surtout une réharmonisation avec votre jeu ou avec tous vos jeux si vous voulez faire un par un. Il y a aussi la planchette Métatron. Vous avez aussi en nouveauté, je crois que je ne l'ai pas encore mis, si je l'ai mis, c'est la fée de la musique à suspendre. Bon, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont arriver, d'autres créations. Et je voulais aussi signaler, voilà, par le passé, on m'a volé pas mal de choses au niveau des créations, que maintenant je dépose tout à l'INPI
et qu'une fois que je serai au Canada, je vais avoir une dame qui va m'accompagner dans mon projet professionnel et je vais aussi déposer toutes mes créations au Canada. Comme ça, j'aurai la protection en France, puisque je resterai quand même française, et j'aurai la protection aussi au Canada. Voilà, je voulais faire un point avec vous, parce que ça me semblait aussi important. Parce que j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de MP me demandant, parce que vous êtes un peu dans la confusion, ce qui est tout à fait normal, me demandant, voilà, est-ce que je vais continuer à travailler avec la France? Oui, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, toutes les prestations seront maintenues. Les seules choses pour l'instant que je ne peux pas vous promettre, mais je vais tout faire vraiment pour que ça soit réalisable, c'est mes créations pour pouvoir vous les envoyer. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir des transporteurs autres que la poste et il me semble que j'ai vu que par bateau, bon c'est un peu plus long, mais c'est assez correct au niveau des prix. Donc si vraiment des créations vous plaisent énormément et que vous êtes prêt, pardon, à attendre 18 jours pour le recevoir, il n'y aura pas de souci, on pourra travailler ensemble. Par la suite, suivant comment ça va se dérouler. Peut-être que l'éveil d'essence disparaîtra puisque j'ai pour but de toutes les initiations que j'ai, il y en a certaines qui vont être créées pour faire des ateliers. Donc ça peut être des ateliers en ligne, c'est-à-dire je ne veux plus donner l'initiation et les protocoles sans être présente parce que je trouve que c'est pas évident quand on débute et qu'on veut suivre une formation. Des fois, on s'y perd un petit peu. Donc, je voudrais mettre en place des ateliers en direct et des ateliers en nature pour les personnes qui vivent au Canada. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein, plein, plein de projets qui vont se mettre en place. Je ne peux pas tout vous dire pour l'instant. Il y a des choses que je dois garder secrètes pour la protection de ce que je veux faire. Mais une fois que ça sera concret, de toute manière, je vous l'expliquerai. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour par rapport aux deux sites et que une fois que je serai là-bas, que j'aurai tout mis en place, je referai une petite vidéo pour vous expliquer et pour vous donner l'adresse de mon site, mais il est déjà disponible sur ma page Facebook. Hein, c'est je crois que c'est un sou. Oui, il me semble qu'il a l'adresse La Magie. Non, je crois que c'est La Magie de Stéphanie Nani parce que je ne l'ai pas encore mis. Au nom d'un soupçon de magie. Voilà. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai mis tous mes articles, enfin pas tous, j'ai déjà mis la plupart des choses et des prestations, mais je n'ai pas mis les tarifs pour justement éviter les achats ou quoi, puisque pour l'instant, il n'est pas ouvert. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je pourrai refaire une vidéo pour y répondre. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis j'espère que le son est pas trop pourri, comme on dit, et que les prochaines vidéos, quand j'aurai plus mon PC de la maison, ça passera pour vous. Voilà. Allez, des bisous!